Over the arm. T'as pas le droit de banana fumant. Il peut soit bien général, Naïs a un problème. Le peuple devrait comprendre, ou bien les autorités aujourd'hui, qu'il y a un souci. Nous avons écrit au gouvernorat, à l'hôtel de ville, pour prévenir, pour informer de l'activité d'aujourd'hui, donc le 11 décembre. Nous avons prévu un meeting politique, un meeting populaire, un meeting pour exposer notre idéologie. Le message de la combolisation. La combolisation, c'est ce que je devais exposer aujourd'hui par rapport à notre idéologie. Malheureusement, on ne m'a pas donné l'occasion de le faire, mais c'est exactement ça. Et je voudrais que les autorités et les Congolais puissent comprendre que c'est une opportunité pour tous les Congolais. Ce mandat du président Félix Tshisekedi est le mandat de tous les Congolais. Nous avons attendu cela très longtemps. Depuis le 4 janvier 1959, le peuple est en train de se battre pour chercher une voie, pour chercher une liberté. Et nous tous, nous voyons qu'il y a un nouveau président qui est là. Ils ont combattu plus de 37 ans et ce mandat doit revenir au peuple congolais. C'est quoi le problème? C'est à eux que vous devrez poser les questions. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été informés, ils ont reçu le document. Voilà plus de 10 jours. Gérer, c'est administrer. Alors, c'était à l'hôtel de ville de pouvoir nous répondre et nous dire que, voilà, pour X raisons, vous ne pouvez pas organiser votre meeting. Quand ils n'ont pas répondu, nous prenons pour acquis, selon la loi, que nous pouvons organiser notre meeting.
Mais vous avez suivi vous-même comment la police nous a poursuivis jusque pas le plus d'un kilomètre, ils nous ont poursuivis. Et il a fallu qu'un seul homme, leur dise rentrer et ils ont obéi tout de suite. Alors je me pose tant de questions. On ne peut pas continuer dans un même système. Nous avons tous combattu un système et ce système ne peut pas se perpétuer aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons fait tenir au président de la République un balai. Il doit nettoyer sa cour. Nous en avons marre. Nous voulons un changement et son entourage ne l'aide pas. Il doit nettoyer sa cour. C'est ça le message. Pessoa bem general na isa problema. Mata la
sa liberté. Maman Zopé sa médecine, pas pour sa moka. Mais ni peut-être que le gouverneur Robo est loco, non. Mais pour lui, ça se boue, pourquoi? Donc, on m'a dit, ah, mais non, tout ça m'a bien vraiment la moko. Alors, on sent que la générale, quand on a mis dans le pouvoir, on va baisser de télé, on a la pollution. Valeurs dans ce pays et nous sommes déterminés. Nous on ne recule devant rien. On est là pour la congolisation et ça se fera comme ça. On recule devant rien. Avancez. Et madame va tenir ce meeting aujourd'hui. Nous on recule devant rien. Rien d'autre. C'est la dame la plus forte. C'est la plus forte. La présidente nationale de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Très bien dit. Madame, nous vous revenons alors. Dites-nous, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on retient par rapport à... Là, c'est moi qui vais intervenir. Je m'appelle d'abord Félix Kalalamanza. Je suis secrétaire national chargé de l'économie au sein de l'ANC. Toyambi, maman. Toyambi est bien. Je suis un peu plus grand.
T'as la bonne gamme, soyez la mon amour. Oui, Obombi. Ce que vous avez en Yéma, vous faites comprendre que et Kabila et Fati, c'est la même chose. C'est quoi cette bêtise qu'on voit ici? Il faut avec une mégaphone. Papa, yo, yo, ça a un chum, vous êtes là, vous êtes là. Pourquoi tu laisses là la catastrophe? Vérité, ça y est, les gars. Babi bisoté. Et ça m'a l'air de faire un peu de temps.
Madame Marie-Josée Fautou, bonjour. Bonjour. Nous avions vu l'activité que vous avez organisée aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas été. Qu'est-ce qu'on retient après tout ce qui s'est passé ce matin? Ce que je peux dire, c'est que c'est une manière, enfin, le peuple devrait comprendre, ou bien les autorités aujourd'hui, qu'il y a un souci. Nous avons écrit au gouvernorat, à l'hôtel de ville, pour prévenir, pour informer de l'activité d'aujourd'hui, donc le 11 décembre. Nous avons prévu un meeting politique, un meeting populaire, un meeting pour exposer notre idéologie. Mais je pense que vous avez été présents, vous avez suivi tout ce qui s'est passé, comment on a été bousculés, comment les gens ont été battus, comment les policiers ont cassé les tentes, alors qu'il n'y a eu aucune violence de la part de la population, ni de nous-mêmes. Est-ce que, Madame Marie-Josée Fautou, êtes-vous très à l'aise dans l'Union Sacrée Pambadé? Vous êtes de l'Union Sacrée. Dommage que une des dix filles de l'Union Sacrée massacrée aujourd'hui pareil. Est-ce que vous avez un message à lancer aux autorités du pays? Le message, justement, c'est ce que je suis venu donner, c'était le message de la combolisation. La combolisation, c'est ce que je devais exposer aujourd'hui par rapport à notre idéologie. Malheureusement, on ne m'a pas donné l'occasion de le faire, mais c'est exactement ça. Il faut qu'on apprenne, justement, il y a un nouveau pouvoir aujourd'hui, il y a eu une passation pacifique, et je voudrais que les autorités et les Congolais puissent comprendre que c'est une opportunité pour tous les Congolais. Ce mandat du président Félix Tshisekedi est le mandat de tous les Congolais. Nous avons attendu cela très longtemps. Depuis le 4 janvier 1959, le peuple est en train de se battre pour chercher une voie, pour chercher une liberté. Et nous tous, nous voyons qu'il y a un nouveau président qui est là. Ils ont combattu plus de 37 ans et ce mandat doit revenir au peuple congolais. Mais voilà comment nous avons été bousculés, voilà comment nous avons été humiliés devant tout le monde, juste parce qu'on a voulu exposer notre idéologie politique. Alors nous voulons comprendre c'est quoi le problème. C'est à eux que vous devrez poser les questions. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont été informés, ils ont reçu le document. Voilà plus de 10 jours. Gérer, c'est administrer. Alors, c'était à l'hôtel de ville de pouvoir nous répondre et nous dire que, voilà, pour X raisons, vous ne pouvez pas organiser votre meeting. Quand ils n'ont pas répondu, nous prenons pour acquis, selon la loi, que nous pouvons organiser notre meeting. Mais vous avez suivi vous-même comment la police nous a poursuivis jusqu'à poil au plus d'un kilomètre, ils nous ont poursuivis. Et il a fallu qu'un seul homme. Alors, je me pose tant de questions. On ne peut pas continuer dans un même système. Nous avons tous combattu un système et ce système ne peut pas se perpétuer aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons fait tenir au président de la République un balai. Il doit nettoyer sa cour. Nous en avons marre. Nous voulons un changement et son entourage ne l'aide pas. Il doit nettoyer sa cour. C'est ça le message. Non, mais Kingabo, ça dépend de Kingabo. Kingabo était prête à me recevoir. Kingabo n'a pas posé de problème. Ce sont les autorités qui ont posé ces problèmes-là. Alors, leurs petits coups qu'ils sont habitués de faire, nous ne pouvons pas accepter ça. Les choses doivent changer. Raison pour laquelle le président doit tenir ce balai-là. On attend cela de lui. C'est lui le premier citoyen congolais. C'est à lui de nettoyer sa cour. Le problème, c'est sa cour. Vous allez relancer Kingabo dans vos attentes? Mais bien sûr, on le fera. On est là pour ça. On doit aller à travers toute la République. Nous avons le droit. Nous avons le droit de faire passer notre message. C'est une idéologie politique. Voilà pour une fois, une femme se lève pour libérer son idéologie. Nous avons une idéologie, nous, l'ANC, qui est authentique. La combolisation, c'est purement congolais. Et on nous a empêché tout simplement d'exposer notre idéologie. Il faut se poser des questions. Bon, d'ailleurs, meeting Nabiso, il fallait tout ça aller l'autre. Vous savez qu'on s'adressait à notre peuple congolais. Tolinga qui tout simplement t'a exposé l'idéologie Nabiso, il y a la combolisation. Tolinga qui peut s'en rendre compte, avec le peuple congolais. Tolinga qui peuple congolais, a mon combo. Pour nous, nous sommes simba qui combo. Combo, ils ont nettoyé, malgré Bitumbo Babundi, ça qui est, Tolinga Karato rappelait que Tokene na troisième point de monsieur Abomoko. Mandat Oezaki Yabomoko. Mandat Oezali à pardon. Mandat Oezali à repentance. Mandat Oezali to Sukwamana nous pendant que nous tonga Kongwa Sika. C'est un peu ça le message. Pour Tolobi, ce qui est Moutoaza Yemoko,
Ils ont facile à rebouquer, ils ont babouka Lumumba, babouka Belé, Bakimpa Vita, babouka Basimo Kimbangu, babouka Anze Kabila. Babouki Belé pour Bazaki Bango Moko. Nous avons dit que le peuple congolais est tout à la bonne moko. Et tumba ezamunene et tumba ezali lokola ba nyoso ba lingika balia bozuna biso ba tika biso ba bola. C'est de ça que nous sommes venus parler, mais malheureusement ba permettre biso angote, mais atana ba media na biso et bino to koleka pour te expliquer maleme maleme na peuple congolais. Mandat au ya président Félix Tshisekedi ezali mandat ya peuple. To lingi ko mona busotoler nyoso te to longoli busoto to boki bango to mona susu bazongisi bango na public. Ça nous ne pouvons plus tolérer ça. Akombo la bango. Bato apesoka sa boaki bango na boloko po basi basaki buzoba ezate ba bimisa bango facilement. Eza kwa to kombo li busoto to zongisi sur la carte ya terrasse to lingi ango pété. Donc makambo ko lobezaki mwa mingi. Ba empêcher biso lokola ba yebi ke biso to lingi vérité, biso to lingi ke peuple a se retrouver puisqu'il s'agit du peuple d'abord dans ce mandat. Et c'est tout simplement de ça que nous avons voulu parler, mais vous avez assisté vous-même comment on a été bousculé. Alors, peuple et Moko à prendre acte, mais tu relèves battre puisque tu as toujours qui décision au côté de Bitumbo et tu continues en gros. Merci. Bien sûr, tu rejoins à l'issoussou, tu regardes au tard la bango l'issoussou, tu as un macamoro loba, tu continues comme ça la tournée d'Abiso, tu rejoins la bango. Merci beaucoup. Mobilisation! 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 Mobilisation!